monde, c'est SuperX22 et aujourd'hui je suis sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je suis pas en live, j'ai enregistré ce gameplay il y a un petit moment. Je joue avec la CM901 silencieuse, camouflage multicam si je me trompe pas. Je joue en série d'atouts assaut avec drone, colis stratégique et missile Predator. Et je voulais faire cette vidéo pour... suite au désastre de la première vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2, j'ai voulu donc vous montrer à quel point je m'étais amélioré. Car pour info, Modern Warfare 2, la vidéo, je l'ai faite 2 jours après avoir eu le jeu. Donc voilà. Là, j'ai le jeu depuis 2 semaines et je me suis vachement bien amélioré. Donc, pour commenter un peu le gameplay, là je lance mon colis stratégique, je me cache dans l'herbe pour ne pas qu'un connard vienne me tuer. Malheureusement, il y avait un gars qui m'avait repéré depuis un peu plus loin et il m'avait shooté. Donc, l'infraction tactique, je l'ai vu que sur la vidéo, en fait, j'avais pas vu sur la partie. Et là, on m'a pris ma caisse, donc j'étais un peu furax. Mais cette caisse, cette tourelle automatique va me faire chier pendant un bon moment pendant cette partie. Bon. Alors parlons un peu de Super Luke dans cette vidéo. Alors Super Luke, ce qu'il va faire cette année, ce qu'il attend cette année, il y a une nouvelle introduction je pense. Un de mes amis IRL va peut-être me faire une introduction, donc voilà. Ce qui va se passer, donc des nouveaux épisodes d'Entre Canards, donc avec toute la bande de Fufu, Bully, Umaraga, tout ça, Seldon, peut-être Seldon, je sais pas. Merde quoi, voilà, c'est une chaîne. Et sinon, qu'est-ce que je devais prévoir? Oui, les parties suivantes du Let's Play de Dead Island, j'espère le finir ce Let's Play pour cette fin d'année. Je pense que ça prendra 15 épisodes ce Let's Play simplement, c'est pour une heure l'épisode, ouais, je pense que ça devrait prendre 15 épisodes. Il va arriver d'autres, des nouveaux DJ Super Luke avec plein de nouvelles musiques. Donc, comme je le rappelle, DJ Super Luke, c'est la musique que j'aime. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous pouvez passer votre chemin. C'est simplement pour faire partager le style de musique que j'aime. Des gameplays de Call of Duty, donc Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, World at War avec les membres de la ATT, sûrement. Parce que je me rends compte que j'ai rien à foutre, donc voilà. Des nouvelles présentations de jeux parce que voilà, j'ai plein de nouveaux jeux et il faudrait que je les présente ça. Donc là je fais une belle action, j'ai rien compris, je fais une belle action. La voiture explose, je fais un kill, je fais 2-3 kills en tout. Un kill à Semtex, un kill et 2 kills à la voiture et je me fais buter. En gros c'est ça. Donc je ne comprends un peu que dalle. Donc voilà. Sinon, pour la suite. Je pense d'ici, juste après cette vidéo, je vais refaire une autre vidéo. Donc là, dans les 5 minutes qui vont suivre, une autre vidéo va être faite. Mais cette fois-ci en live pour montrer sur le terrain. Parce que voilà. Là, je devais être niveau 20. Ouais, parce que là, je suis niveau 48. Voilà. Il faudra que je vois à la fin de la partie mon grade. Mais en tout cas, j'ai fait une bonne partie si je me rappelle bien. En tout cas, vous pouvez voir les images que c'est une très bonne partie. J'ai appris depuis ma première vidéo à regarder le radar, à regarder mon nombre de balles, le score et un peu tout. Parce que avant je ne regardais que l'écran, mon viseur et mon arme. C'est tout ce que je regardais. Donc, honnêtement, je ne fais cette vidéo simplement que pour déjà dire ce que va devenir Super Luke dans l'année. Mais aussi pour montrer voilà ce que Call of Duty... C'était une erreur d'avoir fait une vidéo sans être expérimenté. Voilà, ceux à qui j'ai dit que je fais cette vidéo comprendront. Bon allez, je vais pas tarder de suspense. Hein. On m'a dit à l'école que j'étais une, on m'a dit au collège que j'étais une merde sur code. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour leur prouver que je n'étais pas une merde. Voilà. C'est vous les merdes. Non, je déconne. Ah, ce coup de couteau par derrière, c'est bon. Voilà. Donc, cette partie va se terminer sur une défaite. Mais je serai premier de l'équipe. C'est moi qui fais tout dans cette équipe, alors voilà quoi. Donc là, j'ai 4 atouts.
Je vais les envoyer tous les 4 si je peux. Donc déjà le Predator va me permettre de faire une double. Vous voyez, hop, un gars qui spawn et double. C'était vraiment sympathique cette double. Ensuite, j'envoie mon colis parce que voilà, j'avais envie de récupérer un colis suite au début du premier. J'ai envoyé mon drone histoire de pas me faire buter par un... Ma technique en fait c'est d'envoyer colis puis le drone, comme ça je vois son ennemi. Et là, juste je pense que c'est un hasard du jeu, mais c'est une petite chance. J'ai récupéré une autre tourelle, donc je vais pouvoir me venger de ma première tourelle qui m'a été volée et utilisée contre moi. Voilà, donc je suis un adepte du couteau, vous pouvez remarquer. Je vois personne, je me retourne, je vois personne, je vois, je tire, je le tue. Pratique, je vois, et là je fais une double sur le même mec qui avait posé son insertion tactique, c'est quand même assez incroyable. C'est con de le poser. Là j'ai posé ma tourelle, mais vu qu'on m'a tué par derrière, j'ai pas pu bien la poser, donc voilà. Et là ils l'ont déjà pété, donc y a rien pu faire. Je pensais, je ne suis pas allé chercher parce que ça aurait été une perte de temps vu qu'il m'attendait. Alors voilà. Donc là j'up mon niveau d'arme, donc c'est bien. Et j'ai monté d'un grade en vidéo. J'esquive le Predator qui n'a fait qu'un seul kill. Donc c'est sympathique. J'ai un drone et un IMS que je n'ai pas encore lancé. J'aurais peut-être dû le lancer là dans l'entrée, ça aurait peut-être sauvé la passe. Là c'est la fin de la partie, je vois, il reste plus que 2 kills à faire et on a perdu. Nous 5 kills pour gagner. J'essaie d'envoyer mon Predator pour au moins sauver la passe, mais il reste plus qu'un kill à faire ennemi. J'ouvre mon Predator, je lance, je vois 2 ennemis, mais en fait, non. Je n'en fais qu'un, et c'est la fin de la partie. Donc, c'était une bonne partie. Ouais, le petit GG sur PC, hein, toujours ça. Donc, le kit de victoire qui a été donc à la MP7, zéro le graphique. Moi, vous voyez, j'étais derrière les caisses. Ça aurait pu être moi, mais ce n'était pas moi. Donc, vous voyez, j'ai un score de 32, qui est un bon score, je pense. Voilà. Donc, je vous dis... c'était Super 22 et je vous dis à la prochaine et surtout bonne année 2012. Voilà, c'est dit.